Merci de venir nous rejoindre sur notre plateau. Donc, Arthur Lemaire et Mathieu Soriano. Merci d'être ici sur notre plateau. Donc, vous allez nous parler un peu de votre start-up L'Arbre Solaire. Ah, Helios. C'est beau, so, ça. First of all, we are meeting with you in English. Yeah, in English. Please. So, Mathieu. Let's pitch it. Yeah. So, nowadays, we are facing an exponential growth of solar installation. And you, who are watching us, have you ever used solar energy? What about when your cell phone or your electric bikes runs out of battery? Have you ever found an ecological charging point? Our company, Helios, is specialized in solar system and innovation. We are bolstering public participants and industrials in the development of renewable energy by proposing them a tailor-made urban planning and a free access to renewable energy source. So in the University of Perpignan, our first achievement has been to create a solar tree. It's a tree-shaped structure which captures solar energy, then converts it into electricity through photovoltaic panels, and then will just give it back to the users via electrical outlets. So now in the University of Perpignan, students can charge cell phones or laptops or even their e-bike outside for free, and all while using a renewable energy. So in addition to distributing this energy through benches and tables, the urban planning surrounding the solar tree makes it a relaxing and pleasant meeting place. We indeed arrange a tailor-made layout for each customer, and they can digitalize the structure by adding some options like a Wi-Fi or CCTV or even a weather station if they want. So seeing the success of our first project, we want to propose it to other participants, but also to help them to create their own urban design, always made to measure, only for them. Furthermore, to face coronavirus issues, we diversified our activities with different service offerings. Helios is now a design engineering office specialized in photovoltaic energy. Thus, we make opportunities and feasibility studies for industrials as well as public participants to help them to estimate before any works the economic and social needs that the project will need. Finally, we also assist our clients to help them to find their own renewable power source, whether they are industrials or private individuals. Okay, so we saw your first solar tree on the screen. How much does it cost? How much does it cost? That was, so the first one integrated the cost of all studies that we have to make before the realization. So it was around 40K, euros. Euros, yeah, of course. And but now, as I said, is our project is totally tailor-made, and we can do a small urban planning that we just had the tree, or maybe another way to produce the electricity, but always with the same goal to let the user use this electricity and with no cost at all. Arthur, un mot en français justement sur cet arbre solaire donc, qui est né à l'Université de Perpignan, dont le premier prototype a été installé. Bah complètement, c'est une fierté pour nous. Nous sommes trois étudiants issus de l'Université de Perpignan, donc on a un master en énergie renouvelable. Parallèlement à nos études, nous avons travaillé du coup sur ce projet qui a parfaitement coïncidé à la fin de nos études, puisque nous avons implanté l'arbre la veille de la soutenance du stage. Donc c'est très bien, on a par la suite créé la société qui aujourd'hui commence à commercialiser l'arbre solaire, donc c'est une réelle fierté pour nous et pour l'Université de Perpignan. Vous êtes encore incubé à l'Université de Perpignan, comment ça se passe aujourd'hui ?
Donc, vous en êtes à quelle phase, la construction de votre entreprise ? Donc, notre entreprise, elle est immatriculée depuis le 27 mars, donc en plein confinement de la première crise du coronavirus. Donc, on est tombé au bon moment. On sort tout pile de 18 mois d'incubation, d'accompagnement de l'Université de Perpignan, de l'incubateur. Notre contrat s'achèvera le 31 août 2021, date à laquelle il faudra anticiper une transition vers une pépinière d'entreprise qui pourra continuer à nous accompagner et nous héberger. 18 mois d'incubation. On espère que cette innovation sera très contagieuse à travers le monde. Ouais. Ah, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Je vais être très terre à terre, très pragmatique. Ouais. Il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des batteries dedans ? Alors, les batteries, non, parce que c'est un poids écologique qui est vraiment désastreux, on va dire. Ça n'a pas les mêmes durées de vie, ce qui fait que dans une installation, quand on va la faire durer 25 ans, c'est la durée de vie d'un panneau photovoltaïque à peu près, en fait, les batteries, on va les changer plusieurs fois pendant la durée de vie de l'installation. Et en plus de ça, les batteries, ça a un coût, que ce soit financier ou écologique, qui est désastreux, on va se le dire. Donc nous, on a choisi une solution pour l'Université de Perpignan, on en propose deux. C'est soit de le mettre effectivement entièrement en site isolé, avec ou sans batterie. Donc ça marchera uniquement quand il y a le soleil, ou alors via l'énergie qu'on aura stockée dans les batteries. Donc direct, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Le soleil rentre, il ressort dans le portable, il ressort dans le vélo électrique. C'est à peu près ça. Je vulgarise. Mais effectivement, c'est à peu près ça le principe de base. Ce qu'on a choisi pour l'Université de Perpignan, parce que même si on a une très bonne ressource solaire, on a quand même besoin d'avoir une utilité, du moins le service présent à tout moment. On a choisi tout simplement de relier en plus au bâtiment, ce qui fait que sur l'année, on fait une balance positive. Le but, c'est de produire et d'autoconsommer assez d'électricité pour compenser ce qui a été tiré par les étudiants pour recharger leur vélo électrique, leur téléphone ou effectivement parfois leur ordinateur entre deux cours. Pour rebondir sur ce que dit Mathieu, ça a également un double avantage d'être raccordé au réseau. Le premier, c'est quand il n'y a pas de soleil, du coup, on va puiser cette énergie du réseau, donc les prises sont toujours alimentées. Et donc même la nuit, on pourra, par exemple, mettre de l'éclairage nocturne. Et l'autre avantage, c'est dans la journée, par exemple, en ce moment, l'arbre, il produit, mais il n'y a pas d'étudiants à l'université. Donc cette énergie, elle n'est pas perdue. Elle est directement réinjectée dans le réseau et donc consommée par les bâtiments de l'université. Quelles sont vos perspectives de développement ? Il y en a plusieurs. Comme on disait, là, déjà, c'est sortir en pépinière au 31 août 2021. L'année 2021, si la crise sanitaire le permet, c'est vraiment l'année de décollage pour la société Helios. En effet, on a plusieurs pistes chaudes qui devraient se concrétiser dans les prochaines semaines. Si on regarde à l'horizon un peu plus lointain, en 2022, on espère également recruter. Aujourd'hui, nous sommes 4, donc nous avons quand même créé déjà 4 emplois dans notre société, mais nous avons à cœur de créer de la valeur sur le territoire des Pyrénées-Orientales en recrutant notamment un commercial et potentiellement un technicien en énergie solaire. Quel est le prochain client ? Alors, on ne peut pas trop en parler, mais... Quel est le prochain client rêvé ? Le prochain client rêvé, ce serait, je dirais, une grande ville sur laquelle on pourrait faire plusieurs installations en simultané. Nous, on s'en est rendu compte sur la première qu'on a fait à l'université. Il y a quand même un boost au niveau de la fréquentation qui est inimaginable. On est passé d'un endroit qui était un endroit de passage, sans vie, entre deux amphithéâtres. Un endroit ludique. Je dirais pas ludique, mais vivant en tout cas. On a beaucoup de monde, du moins dans la période où on n'était pas confiné. On a pu observer énormément de monde qui venait déjà prendre son déjeuner, mais aussi recharger son vélo électrique en venant le matin avant d'entrer en cours. Donc la puissance de sortie est suffisante pour recharger même un vélo électrique. Alors, comme on l'a dit sur l'université, on a un cas qui est un peu biaisé parce qu'on est relié au réseau. C'est-à-dire qu'on peut tirer tout à fait la puissance que l'on veut. C'est comme si on était à l'intérieur du bâtiment. Et les prises électriques sont d'ailleurs aux caractéristiques du réseau pour qu'elles puissent être utilisées pour n'importe quel type d'appareil. Concrètement, dans une métropole, en totale autonomie, cet arbre me permet de faire quoi en tant qu'utilisateur ? En totale autonomie, nous, on avait calculé, donc c'était 4 vélos électriques, de mémoire, une dizaine de comment dire, d'ordinateurs et une cinquantaine de téléphones. Alors après, on ne fournit pas assez de prises pour arriver sur ces puissances, mais c'était pour prendre en compte qu'effectivement, un jour, on aura 6 vélos électriques un vélo électrique sur chaque prise. Et il faut quand même que ça puisse tenir, bien entendu. C'est un outil seulement ou alors ça permet aussi de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se rassemblent ?
Très bonne question. Donc, outre le fait de donner un accès à de l'énergie électrique d'origine renouvelable en extérieur, on a vraiment à cœur de créer un lieu de vie convivial et agréable à fréquenter afin de redynamiser des espaces potentiellement délaissés. Des apéros Helios, par exemple. Complètement, par exemple. Ouais. Un petit apéro pendant qu'on recharge son portable. Tout récemment, on a d'ailleurs... machine à glaçons, on pourrait brancher une machine à glaçons pour les apéros l'été. On pourrait brancher la machine à glaçons. Récemment, en septembre, quand on n'était pas encore confinés, on a d'ailleurs animé un débat sous l'arbre solaire sur la transition énergétique, animé avec Xavier Pic, qui était à l'époque encore le président de l'Université de Perpignan. Et c'était vraiment un réel bon moment de partage avec les étudiants. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour vous développer? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus? Aujourd'hui, commercialement, c'est plus commercialement que ça va se passer, étant donné qu'effectivement, on a pris du retard par rapport à nos plans et la crise sanitaire qui a bloqué nos échanges avec les collectivités locales. Effectivement, c'est rencontrer des acteurs qui seraient intéressés pour faire des aménagements, mais toujours avec la même finalité de donner un aspect concret à un utilisateur, à un citoyen lambda de la ville. Comme je disais, on voit une explosion des installations solaires, mais derrière, il n'y a quasiment personne. Le Français moyen n'a jamais utilisé de l'électricité solaire qu'il a vu avec un panneau au-dessus de sa tête et tout simplement en gagner le bénéfice. Nous, on cherche des communes qui seraient intéressées, effectivement, pour mettre en place des aménagements urbains qui utilisent l'arbre ou d'autres moyens de production, toujours fait sur mesure pour, comme on le disait, se rapprocher le plus des besoins, notamment pour les collectivités locales. On conseille fortement de faire une participation citoyenne pour prendre en compte tous les avis des habitants sur le projet, sa pertinence, mais aussi la façon dont on va le faire. Est-ce que l'aménagement a une vision pédagogique? Est-ce qu'elle a une vision sociale pour se rencontrer? Nous, on fait en sorte de s'adapter à chaque fois. Très beau projet. Vous pouvez regarder les caméras, on ne sait jamais. Peut-être Annie Chabot nous regarde. Il y a énormément d'avenues là-bas. Je ne vous propose pas Bordeaux, ils n'aiment pas trop les arbres. Quoi que les arbres verts, à la limite. Pourquoi pas? Merci beaucoup à vous d'être venus, Arthur. Merci et Mathieu. Un site internet? www.helioslarbresolaire.fr. Tout attaché, tout en minuscule et sans accent. Ok, ah oui, super. Voilà. C'est comme l'administration, c'est précis. Allez, oui. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.